Attends, voilà. Ah, ça te va bien, quoi. Allez, vas-y, génial, Mélie, génial. Rasta, Mehdi, ouais, Mehdi, allez, mets ta perruque, allez, continue. C'est pas bien de forcer les jeunes. Non, mais c'est normal, hey, vas-y, on n'a pas acheté ça pour rien, Non, j'avoue, mais bon, t'es un peu pâle quand même pour les dresses. Ouais, mais c'est normal, c'est un carton, il a mis son noir, son père. Il va lui en donner un peu plus. Mais non, moi, c'est vous son père, vous avez noir et blanc. Je suis noir et blanc. Dans le bus, oui, mais je suis noir et blanc. Je suis noir et blanc, donc c'est mon fils. Voilà, je suis Mehdi. D'une manière ou d'une autre. Donc lui, il est noir aussi. Ah ouais, bien sûr. Voilà, donc il a du son noir. Donc Rasta, c'est juste. Oh, c'est un état d'esprit. Après. Non, c'est un état d'esprit, mais il y a des gens qui peuvent ne pas avoir des Rasta, mais avoir tout simplement. Esprit. Mais non, lui, comme il a aimé ça, c'est parce que il a aimé cette magie de voir des Rasta. Et peut-être aussi l'éducation. Ma mère nous écoutait Renaud et tout ça quand j'étais petit, Rasta, on se mélangeait bien. Ouais. C'est vrai, non? C'est vrai, On garde toujours une marque positive des parents. Oh, le père de la Vignetta. Ouais. Toi, il y a le père de ma soeur, il est déjà de il a des dates, mais jusqu'à là, mais des vrais. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est super avancé. J'ai un ami qui en a jusque-là, il a mis 5 ans, 6 ans à les faire. T'imagines, pour arriver jusque-là, le mec il a mis 10 ans, quoi. Putain, c'est terrible, quoi. Ah ouais, moi j'ai laissé pousser mes cheveux un an, et le résultat c'était hardcore. Oh, t'es français, t'es français. Pas vraiment, je suis un peu un bâtard d'européen, on va dire. Ouais, mais tu es de grec un peu français, un peu portugais. Il y a un peu tout, quoi. Ah ouais, un genre de bâtard européen. Ouais, mais un bâtard européen, bon, on est tous un peu bâtards. Ouais, on a tous du côté européen. Un bâtard, ouais. Alors à la base, ils sont centralisés de Grèce, mais entre temps, ils ont été en Allemagne. En Allemagne, aux États-Unis, en Belgique. Pour le coup, ben ouais, on serait plus aussi pur qu'au début. À fond, mais c'est pas grave, ça se supporte très bien. Mais tu vois, le bonheur quand tu viens ici, c'est que. Ouais, c'est souriant et tout. Tu vois un peu, même quand tu vois, tu sens qu'il y a des gouttes de pluie.
le fait que tu as une tente, tu rentres chaud, c'est magnifique. Et quand je te dis ça, c'est parce que mon fils, il veut baigner de bonheur. Il n'a jamais fait ça. Donc, jamais fait de festival. Félicitations. Non, c'est moi. Si, voilà, si j'ai déjà fait. J'ai déjà fait des festivals. Non, plusieurs cafés. Mais c'est non, pas non, non, j'ai déjà campé comme ça pour aller au festival. Nickel. Avec Xavier. Ouais, et puis on faisait tout. C'est les meilleurs, même tous les. Tous les. Comment ça s'appelle tous les jours de. À chaque bac, c'est une semaine de vacances. Donc on fait des festivals. On va camper. Je dis pas de conneries, c'est en hiver, non? Quoi? C'est pas en hiver. Peut-être que j'ai des conneries, je connais pas. Non, c'est en avril. Là, on va. Bah en tout cas, moi, je toi, si t'es en bien, n'y sois bien. On va. Et là, prends des vacances, on va dire. Voilà. De 3 jours. Génial, génial. C'est short, mais c'est bien. Tu vois, il a une belle. Regarde, là, il a une belle perruque. Ça. Il est venu. Il a été en Jamaïque. Hein. C'est pas trop mal fait encore. C'est bien fait, hein. C'est pas trop mal fait encore. Moi, clairement, ce que tu dis, mon pote Rasta. Enfin, non, c'est Rasta qui s'en fait. Ouais. Son vrai nom c'est Jésus. Jésus Paco. Ouais, c'est un espagnol, c'est pas ça. Jésus comme nom. En fait, c'est Jésus Paco de Souza. Ouais, j'avoue. Enfin, c'est pas facile à porter non plus. Hein. Ouais, parce que. Genre Jésus, Abraham, tout ça, c'est un peu quoi. C'est une religion. Voilà. C'est oppressant. C'est à l'école, souvent, on s'emmerdait les uns les autres. Souvent, ça fait assez juif. J'aurais pas aimé ma précédente. Je vois encore à moi, mais pas qu'on me voit. Ça vous est d'après vous, en tout cas, en Espagne. C'est un peu comme les portes. J'ai religieux moi parce que je suis pas un croyant, pour la moitié. J'ai religieux comme ma grand-mère. Ce qui est fait, c'est qu'il est une vie de tout. Ma grand-mère, elle a tout le temps l'esprit d'esprit, elle a tout le temps le micro, le carnet, tout ça. Donc moi, je peux comprendre qu'il veut appeler les enfants de ça. D'après ce qu'ils disent dans les sondages, ça fait 500 ans que le catholicisme n'a pas eu d'aussi grosse crise qu'ils ont. Donc apparemment, ils ont déjà eu des crises comme ça, où les gens ne veulent plus croire. Bon, je sais pas, ça revient, peut-être une guerre, je sais pas. Les gens, quand ils ont des espoirs, ils veulent qu'ils soient là, s'imaginer qu'écrire va les aider. Comme ça, ils se disent, ouais, Dieu m'aide, je vais réussir, et boum, ouais, je vais réussir. Même si Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais tu vois, s'il n'y a pas de... Les gens vont devenir faux. Mais la religion, c'est la guerre aussi. Aider, d'accord, la religion, c'est bien. Mais jamais ils ont dit dans le Coran, par exemple, va faire exploser avec des hommes. Tous les Ben Laden et tout. Ils font les signes de la croisade, ils ont fait la croisade. Ils vont massacrer tout Jérusalem quand ils ont pris les catholiques. Voilà, c'était en 1914. Ils ont massacré tout le monde. Au nom de qui? Au nom de Dieu. Quel Dieu dans quel livre t'as vu va tuer celui qui croit pas en la même chose que toi? C'est ça, on est tous les mains dans la maison. Après, bon, les gens prennent partie trop facilement. Moi aussi, il est comme dire quoi Dieu. Il faut s'aimer, il faut se tolérer les uns les autres. La religion, elle est belle en vrai. C'est ce que les hommes en ont pas qu'elle merde. Mais surtout parce que voilà, tu vois le Vatican, c'est pas normal, je suis désolé quoi. Tu vois, soi-disant, ils sont là pour aider les gens. Comment ça se fait qu'ils ont autant de gros ours, tu vois? Pourquoi ils donnent pas dans des œuvres d'un côté, tu vois, c'est ça, pourquoi pas?
Bon, je peux comprendre, genre, les gens comme ma grand-mère, ils ont vécu la guerre. D'un côté, la religion, ça les a beaucoup aidés. Parce que se dire que quelqu'un t'aide, tu pars un peu plus motivé, on va dire. Même si c'est hypothétique, tu vois. L'important, c'est que des gens comme ça, ça les a aidés. Ils ont quand même vécu 4 années horribles, quoi. On a vraiment de la chance. Beaucoup de chance. Le pays est prospère. On a beaucoup de chance. Pas de guerre, pas de famine. La vie est belle. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil. Tu dis que t'es une mauvaise religion et tu vois, ils te tirent dessus direct. Boum, une balle dans la tête, bonsoir. Certains pays sont comme ça. Pas partout, mais pas tout le pays, évidemment. Des fous, il y en a partout, mais c'est pas 42. Mais il a dit, c'est pas bien. Je crois en rêve, tu crois. Réfléchis après, elle a dit, il faut pas être seul, c'est pas possible. Vraiment. Regarde la galaxie, comment elle est immense. Il y a aussi quelque chose d'au-dessus de nous. Même si c'est pas un dieu qui, quand il te montre du droit, il te fout droit. C'est pas pour ça qu'il y a rien. On peut pas être seul dans l'univers. L'univers, il a des milliards d'années. Et nous, on est une des plus jeunes galaxies. Et franchement, allez, ils ont même pas pu visiter, ils savent même pas ce qu'ils ont pu visiter de l'espace. Et encore, c'est grâce à Hubble la plupart du temps. Donc du coup, on peut pas être seul. Et vu qu'on est la plus jeune galaxie, il y a de bonnes chances que s'il y a quelque chose, ce soit plus évolué que nous. C'est pas obligé, mais... Moi, je suis pas d'accord, c'est impossible. Pourquoi nous, on aurait eu cette chance-là? Il y a des milliards et des milliards de galaxies, quoi. Ça fait... possibilités monstrueuses pour penser à la soleil, la bonne distance du soleil. Ben c'est obligé qu'il y a quelque chose, c'est pas possible. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Comme si on était seul dans l'univers. Je sais pas, les catholiques peut-être aussi. Moi je suis orthodoxe normalement. J'ai une branche du catholicisme. C'est la version russe et grecque. En Russie et en Grèce, ils sont plus orthodoxes que catholiques. C'est la même religion, tout comme être musulman, c'est la même religion, sauf qu'il y a des détails qui changent. Pour les musulmans, par exemple, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus est un simple prophète, tu vois. Pour les juifs, ils ne contestent pas l'existence de Jésus non plus. Jésus n'était juif à la base, tu vois, donc évidemment. Donc les trois religions majeures, il y a beaucoup d'autres religions, mais les trois religions majeures, on va dire, elles partagent le même, on va dire, la même histoire, ce truc qui a été retraduit au cours de 2000 ans. T'imagines le nombre de traductions que ça fait? Puis quand quelque chose te gêne rapport à la politique, rien ne t'empêche de le changer, c'est une traduction. Qui va te contredire? En 200 après Jésus-Christ, t'avais une personne sur 5, 6 000 qui t'avait dit. Qui allait te contredire? Les drachmes. C'est très photogénique. C'est très intéressant ce que vous dites parce que j'essaie de vous prendre de vue, de face, c'est parce que derrière je vous vois et je entends ce que vous dites. Ouais, c'est cool. Par rapport au son. Mais faut te mettre un peu sur le film aussi, ton fils, il te voit bien. Bien sûr, je vois bien. Et quand je vous vois de face, je vois vraiment une bonne vision. Ils vont mal le prendre. Tu t'es porté à un festival, c'est pas tellement grave. T'es avec ton père en plus, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vois, c'est des moments uniques ça. Tu vois, pour la religion, ouais, pareil, pour ma grand-mère aussi, je lui ferais pas voir ce genre de débat. Non, parce que ça le ferait mal. Non, ce que je dis à mon fils, le jour où tu auras. Regarde. Je dis à mon fils, le jour où tu auras des enfants, ils seront bien contents de voir les films que ton papa a fait. Mais ouais, mais faut que tu sois dessus parce que mais tu seras sûr, derrière grand-père. Moi, je le vois souvent. C'est moi qui réalise ces films. Faut qu'on te filme aussi de temps en temps. Non, mais moi aussi, je me filme. Putain, on n'a pas de chance. Hein. Mon pote, il était sur l'IRM. Alors, tu vois, ça ressemble à un nom d'hôpital, mais c'est pas ça. C'est un truc sur internet. Voilà. Qui est vachement plus fiable que la météo sur RTL, à ce qu'il paraît. Parce que moi, la météo sur RTL, je lui fais vraiment pas confiance. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est l'attente, quoi. Depuis que je suis gosse, ils disent que des conneries, quoi. Attends, j'ai pas envie de le mouiller. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Mets dans mon sac attends qu'on arrive au camp. Non, on met le dans le sac. Ah, mais ouais, mais moi, je suis pas très vieux homme. Mais au fait, attends, j'ai demandé. Ah, ouais, j'ai eu des bonnes séquences. En tout cas, il y a eu une très bonne séquence. Maintenant, je vais garder un peu de film pour filmer la nuit.
Parce que j'aimerais bien. Comment tu peux filmer de nuit? Tu verras rien. Oui, bien sûr, on y voit avec une caméra magique. T'as un truc mode night ou quoi? Voilà, il y a ça. Fais gaffe, la flotte, ça nique les appareils. Pardon, ça abîme les appareils pour être. Ok, en tout cas, très bon reportage, merci.